Bonjour à tous et j'espère que tout le monde est en très bonne forme. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais préparer avec vous le jus de grenade qui vaut 5 fruits. Et je vais vous mettre en lien. J'ai mis déjà deux vidéos sur la grenade. La grenade, c'est un fruit antioxydant par excellence. Et même des médecins maintenant, ils le prescrivent à leurs patients qui sont traités par rapport à des maladies de cancer. Des scientifiques, ils ont prouvé que la grenade peut être un médicament. Et même il y a un médecin français qui a dit, peut-être la sécurité sociale, elle doit penser à le rembourser parce que c'est un médicament. Il contient beaucoup, beaucoup de nutriments. C'est un antioxydant par excellence contre le vieillissement cellulaire. Allons-y. Donc voilà, achetez vos grenades de bonne qualité, ça vaut le coup. Il faut avoir un extracteur. Donc vous ouvrez la grenade, vous prenez les graines. Si vous voulez manger la grenade ou la déguster naturellement, il faut la manger avec la chair. C'est très bon pour l'estomac. Donc je vais extraire mon jus grâce à un extracteur. Et si vous avez le temps, par rapport à la peau de la grenade, il faut pas la jeter, il faut la sécher. Sachez que tous les compléments alimentaires à base de grenade qui se vendent trop cher, c'est la base, la matière première, c'est ça, c'est la peau de la grenade. Voilà, allons-y, je vais aller préparer mon jus. Deux mots sur la grenade. La grenade, c'est un fruit qui est très... apparemment, il trouve son origine en Perse. Et il faut savoir que la grenade, c'est un fruit qui est cité dans le Coran par rapport aux musulmans. Voilà. Et voilà, ça juste une parenthèse. Et vous savez, tout est bon dans la grenade. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Un fruit, un jus de fruit, il vaut 5 fruits. Et même ce qui reste là, c'est ça. Ça, c'est aussi très riche, très concentré en antioxydants. Et c'est grâce à ça qu'on extrait l'huile de pépin qui vaut 600 euros le kilo et qui est une matière première dans beaucoup de produits cosmétiques. Donc voilà, mon jus, il est prêt. Il est ici. Et moi, j'ai gardé la chair blanche. C'est très intéressant. Si vous voulez que votre jus soit trop rouge, il faut enlever la chair blanche. Voilà. Pour la peau, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas pratique de le faire, mais faites l'effort juste pour une fois. C'est-à-dire pour une seule grenade ou deux. Gardez cette peau. Il faut la sécher si vous avez le soleil là où vous habitez. Sinon, il faut la mettre au four. Après, il faut l'écraser comme poudre. Et je vais mettre d'autres vidéos parce qu'il a des utilisations dans le monde cosmétique incroyables et même dans le monde culinaire. Voilà. Donc, gardez dans la tête que la grenade est un fruit magique, plein d'antioxydants contre le vieillissement cellulaire, très bon pour la santé des yeux, très bon pour la santé du cœur, très bon pour la récupération après un effort. Donc voilà, il faut se préparer à bien commencer l'année et à être en bonne forme. À la fin, moi je vais me régaler avec mon jus de grenade et je vous demande de faire la même chose. À bientôt et au revoir.